Salut Justine, alors je voulais faire un point avec toi pour qu'on voit un peu le planning général. Ouais, bien sûr. Justine? Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, mais à 12h30, c'est karaté. Ça me fait trop du bien. Si c'est pas urgent, on peut reporter à, je sais pas, demain, 18h30. Ouais, attends. Ah non. Non, non, je peux pas demain, j'ai un truc perso. T'as un truc perso, toi? Oui, j'ai un truc. Laisse tomber. Non mais allez, vas-y, dis-le, là, t'as l'air gêné. Non, je peux gêner. Bon, j'ai natation synchronisée, voilà. Non mais t'as raison, c'est un sport comme un autre. C'est bien que tu fasses ça. Pas toujours facile de trouver du temps en télétravail. Le truc que j'ai constaté, c'est que souvent, lorsqu'on travaille pendant la journée, nos réunions ne durent pas forcément le temps qui était prévu. Donc sur une réunion d'1 heure, vous allez peut-être finir 10 minutes plus tôt. Sur une réunion de 2 heures, gagner une vingtaine de minutes. Ce que j'aime bien faire à ce moment-là, moi, c'est attraper ma guitare qui est à côté de mon bureau et me gratter quelques accords parce que vraiment, ça me sort de ma journée de boulot, ça me détend et je me retrouve ensuite à pouvoir attaquer mon job de manière beaucoup plus sereine et détendue. Donc si j'avais un seul conseil pour vous, ça serait celui-là, trouvez ce qui vous plaît et profitez de ces petits moments de la journée où si vous étiez au bureau, vous ne pourriez pas faire ça et faites-le. Donc allez caresser votre chat, appelez votre maman, faites votre vaisselle si ça vous amuse. Voilà, moi c'était mon truc perso.